Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Il y a eu un événement, un soir, bam, ça m'est tombé dessus, j'ai rien vu venir. Il bondit sur moi et m'étrangle. J'ai cru mourir. Ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire, c'est de complètement couper les ponts avec cette personnalité-là. Et malheureusement, c'est le seul moyen pour vraiment réussir à s'en sortir. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Tu m'apportes cette énergie positive, je sais ce que tu as vécu, pourquoi tu te bats aujourd'hui. C'est ce qui m'a d'ailleurs le plus impressionné dès le début, ce courage et cette envie toujours d'avancer. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer Carole Arriba. Durant 4 années, elle fut victime d'un homme qui maniait la terreur physique pour asseoir son pouvoir. Longtemps, Carole n'a pas réussi à dire non, à s'enfuir ou à porter plainte. Pourtant, c'est libre et heureuse qu'elle vient aujourd'hui me livrer à cœur ouvert son parcours de l'enfer à la lumière. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer, Carole. Moi aussi, enchantée. En fait, vous êtes la bienvenue. On va parler d'un sujet difficile. Oui. Et en même temps, vous avez le sourire. Bah oui. Pourquoi c'est important pour vous d'être là? C'est important pour moi d'être là aujourd'hui pour montrer que c'est pas une finalité en soi et que la vie continue, qu'on a été quelqu'un avant quelque chose qui a pu être terrible et qui a pu remettre en cause sa féminité, son... Vous appelez ça comment? La violence conjugale? Ouais. Et ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête. On reste un être humain avec plein on de valeurs. On peut s'en sortir. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité, via notre rencontre, de pouvoir l'exprimer. Et c'est que du positif, donc j'en profite. Bah, profitez-en. Je voulais un café, un thé, un jus. Un café, s'il vous plaît. Alors, un café. Alors, merci. Vous avez décidé d'écrire. On verra ouais. Ensemble ce que ça a changé pour vous, d'écrire. Parce que vous l'avez écrit en 15 jours, ce livre. Ouais. Donc, c'est un G. C'est thérapeutique. Et si seulement, violence conjugale, ma secte. Mm-hmm. Vous racontez tout et vous comparez ça à une secte. Vivre avec un homme violent et pervers narcissique, pour reprendre une formule. Ouais. Quelqu'un qui manipule, en tout cas. Mm-hmm. C'est comme une secte. Oui, moi j'ai toujours dit qu'il était un gourou et que j'étais la seule adepte de sa secte. Ça, on en prend conscience quand on est parti. Quand on est dans la relation, c'est très compliqué. C'est des sentiments très contradictoires. On est à la fois follement amoureux ou amoureuse, mais au fond de soi, on sait que cette relation est complètement destructrice. Et qu'en aucun cas, c'est quelque chose de bien pour soi. Et on reste quand même. Je me suis vue, il me dit, je te quitte, je pars. Donc dans ma tête, c'était cool, enfin, il s'en va, ouf. Et vous voyez le retenir? Et je me vois à genoux, lui tenir le pantalon et pleurer, lui dire, je t'en prie, me quitte pas. Et ça, c'est le phénomène d'emprise, qui est quelque chose qui est absolument incompréhensible quand on est dans la relation, qui est, je dois admettre aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais... T'avais vraiment un problème, hein. Il y avait un truc là-haut. Et ça explique l'isolement, parce que c'est impossible à raconter, quelque chose comme ça. C'est impossible à raconter, et même quand on le raconte, c'est tellement à l'encontre de la logique que c'est incompréhensible, ce qui est tout à fait normal. Moi, je conçois tout à fait que des gens aujourd'hui me disent « Mais enfin, t'es une fille équilibrée, t'as du tempérament, pas toi, quoi. » Aujourd'hui, vous menez un combat. On va essayer de voir si, effectivement, il y a des profils de femmes, des profils de victimes, des profils de bourreaux, mm-hmm. Est-ce qu'on peut les reconnaître
On va tirer des leçons de votre existence, de votre expérience. Ouais. Et puis vous battez aujourd'hui, puisque vous faites partie de ceux qui ont créé un comité de soutien à Jacqueline Sauvage, cette femme qui a été condamnée à 10 ans de réclusion pour avoir tué son mari, qui la battait depuis 50 ans. Oui. Et donc là, c'est un combat, vous qui rêviez d'être avocate petite, de défendre quelque part les autres. Ouais. C'est un combat important pour vous. Oui, tout à fait. C'est un combat qui, pour moi, a résonné d'autant plus de par mon passé. C'était une aberration totale de me dire cette femme, pendant 47 ans, a vécu des violences. Certes, il y a eu un meurtre, ça, on n'est jamais revenu là-dessus. Il y a eu une condamnation, ce qui est normal quand il y a un acte criminel. Mais il ne faut pas oublier que cette femme approche des 70 ans. En milieu carcéral, c'est dans les plus âgés. Il y a très peu de femmes de cet âge incarcérées. Elle a effectué une peine. Mais maintenant, laissons-la libre et essayons de lui apporter un peu de bonheur et du réconfort qu'elle n'a pas eu pendant ses 47 Parce années. Que vous pensez que pendant ses 47 ans, elle a vécu l'enfer et que ça, pas du tout, ça n'a pas été assez pris en compte? Ça n'a pas été pris en compte, non. C'est la première fois qu'on se rencontre, oui. Mais en préparant cet entretien, je vous ai demandé de m'envoyer des photos oui. de votre histoire pour comprendre qui vous êtes, qui est la femme qui se bat aujourd'hui pour mm-hmm. les autres. Je me suis permis de les exposer. Ouais. Et donc, je vous laisse parcourir l'atelier et on se rejoint dans le patio. D'accord. Ok, à tout de suite, c'est par ici. I can believe the news today. I can close my eyes and make it go away. C'est quoi l'émotion qui domine ? Que j'étais insouciante à cette époque-là, que c'est bien, la vie était drôle, était rigolote, il n'y avait rien de... il n'y avait pas de contrariété. Voilà. Cette petite fille qui est derrière moi ? Ouais. Si par magie, vous aviez eu la possibilité, vous, adulte que vous êtes aujourd'hui, d'aller lui souffler quelque chose à l'oreille. Vous qui connaissez la suite de son histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit ? Je lui aurais dit... tu vas faire une mauvaise rencontre. Ça va être dur. Tu vas beaucoup pleurer. Mais t'inquiète pas, parce qu'à la sortie, tout ce qui va t'arriver, jamais t'aurais pu l'imaginer. Et ça va être génial après. Ouais. Carole naît à Vincennes en 1976. Elle grandit entre une demi-sœur de 9 ans, son aînée, et un petit frère de 7 ans, son cadet. La famille est unie, malgré un père qui travaille beaucoup. Sa mère, elle, s'occupe de tout. Activités, école, amis, ateliers, pâtisserie, tout ce qui rend la vie belle. Pour comprendre un petit peu la femme que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de cette petite fille ? Enfant, j'étais une enfant plutôt joyeuse, très très maladroite, une catastrophe. Je tombais tout le temps. J'avais tout le temps la tête dans les nuages. C'est-à-dire rêveuse ? Ouais, j'avais une amie imaginaire. Je m'étais inventé une amie qui s'appelait Pékin. Et ma mère me disait, tu parlais tout le temps à quelqu'un. Elle me dit, jusqu'au jour où je me suis dit, mais avec qui est-ce que tu disputes comme ça ? Apparemment, je n'ai beaucoup d'ordre. Et je disais, mais enfin, c'est Pékin, tu la vois pas. Vous étiez timide ? Ouais, extrêmement timide. Donc une enfant timide et rêveuse, quel genre d'adolescente vous êtes ? Adolescente, je me suis, on va dire, je me suis un peu libérée. Je me suis rendue compte à un moment donné que ma timidité, en fait, c'était pas quelque chose que j'avais envie de garder en moi, que c'était un handicap. Mais c'était quoi les complexes de l'adolescente ? Oh, les complexes de l'adolescence, ça a commencé à l'entrée au collège. J'avais 11 ans, je mesurais 1m65, j'étais rousse, j'avais des bagues. Enfin, j'étais absolument pas
l'adolescente sur lesquelles les garçons se retournent, par exemple. Alors, l'adolescente que vous êtes va découvrir l'amour très jeune. Oui. Donc, je fais ma rentrée de seconde et dans ma classe, il y a un garçon qui est là, que je ne connais pas. Et voilà, l'année commence, etc. Et je me lie d'amitié avec, avec ce garçon. On est tout le temps ensemble. Et puis j'ai tous mes amis qui me disent « Mais tu vois pas, mais tu comprends pas, mais t'es nul, toi tu vois rien. » Puis ça commence à trotter dans ma tête et je me dis « Bah ouais, tiens, peut-être effectivement. » Et donc voilà, on s'embrasse pour la première fois, juste avant les vacances scolaires. Et j'ai le souvenir d'une anecdote, le week-end qui a suivi, ma mère qui vient dans ma chambre et qui me dit « Carole, Carole, il y a un garçon pour toi à la porte. » Je dis « Ah bon, qui c'est ?» Elle me donne le prénom. Mais il s'était débrouillé pour me retrouver avec tous les indices que je lui avais donnés. Et là, je me suis dit « Ah ouais, quand même, lui, il s'est donné du mal, en tout cas pour me montrer que j'étais plus que… voilà. » Et donc, ça a duré. Carole embrasse ce jeune homme tenace et ils ne se quittent plus. Ils se marient 11 ans plus tard, juste avant d'avoir leur petit garçon. Mais 3 années après cette naissance, cette relation équilibrée s'éteint et Carole prend un autre chemin. On va parler de cette mauvaise rencontre que vous avez faite, mais auparavant, je voudrais comprendre quel genre de femme vous êtes, quelle est votre relation avec les hommes quand vous vous séparez de votre mari. Déjà, je suis un peu dans un paradoxe parce que je quitte quelqu'un de bien. Et je pense que quand je le quitte, en fait, je fais ma crise d'adolescence. Donc c'est, je peux dire de la surconsommation masculine parce que c'est pas le cas, mais je fais des rencontres. Voilà, je fais les rencontres que j'ai pas fait à l'adolescence. Et donc ça marche pas, c'est pas grave. Celui-là il me plaît pas en fait, donc je laisse tomber. Et puis arrive la rencontre effectivement fatale ou fatidique, je ne sais pas. Alors comment cet homme qui va vous faire souffrir, cette mauvaise rencontre, comment cet homme va rentrer dans votre vie? Cet homme va rentrer dans ma vie d'une façon insidieuse. C'est-à-dire que je vais à une soirée, il est là, mais je ne le vois pas. Et 2 ou 3 jours après, mon ami, dont c'était l'anniversaire, m'envoie un message et me dit que son copain a un pote qui a flashé sur moi et qu'elle lui a donné mon numéro. Et je me dis, mais ça va pas la tête, mais elle se prend pour qui, celle-là, de donner mon numéro comme ça à quelqu'un que je ne connais pas Et le lendemain, je rentre chez moi, j'étais en train de me faire couler un bain et mon téléphone sonne, je réponds pas. Je sors de mon bain, je m'allonge sur mon canapé, je commence à m'endormir. Mon téléphone ressonne et moi aussi dans les vapes, je réponds et c'était lui. Qui commence à me faire le plan drague le plus pourri, je crois. C'est-à-dire ? Tu étais magique, tu étais magnifique, je pense que tu ne m'as pas remarqué, enfin bon, voilà. On dit pourri avec le recul ou à ce moment-là vous trouvez ça... Non, même à ce moment-là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, t'es magique, enfin... Et puis quand même, au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte que je prends plaisir à discuter avec lui. C'est pas si désagréable, c'était tellement pas si désagréable qu'il a dû m'appeler à 22h30, on a dû raccrocher à 3h30 du matin. Intriguée, envoûtée par cette relation encore virtuelle, Carole accepte un rendez-vous et se rend chez lui. Il m'envoie son adresse et là je vois l'adresse, je dis « Oh, un bobo !» Et je me souviens pas à quoi il ressemble, c'est ça mon problème. Je me souviens pas de sa tête. Vous êtes intriguée, vous y allez. Je suis vraiment dans un truc, voilà, je vais voir quelqu'un avec qui il y a eu un bon contact téléphonique et puis on verra. Donc le soir, je me rends à ce rendez-vous et j'arrive en bas de l'immeuble et là, une espèce d'angoisse incompréhensible qui me monte du deuxième cerveau, du ventre. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es complètement taré, ma pauvre fille. T'es mère de famille, tu le connais pas, et toi, tu vas chez lui boire un verre. Je me dis, mais si ça se trouve, je vais me retrouver dans un guet-apens. Et donc, j'ai cette espèce de, je sais pas si c'est un instinct de survie ou j'en sais rien quoi, j'envoie un SMS à mon meilleur ami et je lui dis, voilà, j'ai rendez-vous, je suis complètement folle, j'ai rendez-vous chez un mec, je suis à telle adresse, le code c'est ça, je suis à tel étage, si à 22h30 t'as pas de mes nouvelles, tu m'appelles. J'arrive, il me fait visiter l'appartement et la soirée se passe bien, vraiment très bien. Mon ami m'appelle à 22h30, je dis non t'inquiète, tout va bien, je suis en sécurité. Et je le quitte, il est 2h du matin et là il m'embrasse et oui, je suis bien obligée d'admettre que son baiser m'a pas laissée indifférente, bien au contraire. Donc vous allez vous revoir. Ouais.
Et le charme opère, il n'y a pas d'ambiguïté à ce moment-là? Alors pas au tout début, mais quand même je dois admettre assez rapidement, je dirais des zones d'ombre, hein, où je me dis, mais le même sentiment que j'ai eu en fait le soir où je suis arrivée chez lui, cette espèce d'angoisse, où je sentais instinctivement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais où en même temps, tous les actes devaient m'envoyer les signaux contraires et me dire que j'étais parano, et que pas du tout, j'étais en train de me faire des films, et qu'il fallait un petit peu que je vive mon petit bonheur et que j'en profite. À quel moment ça devient moins idyllique? Il n'y a pas eu de montée en puissance, en fait. Il y a eu un événement, un soir, bam, ça m'est tombé dessus. J'ai rien vu venir. Et ce soir-là, j'ai cru mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir-là, on se dispute, il est avec ses amis, ça m'agace, il est tout le temps avec ses amis, je m'énerve aussi au téléphone, il revient, il repart. Enfin, c'est des allées et venues comme ça. Et puis, à un moment donné, ben, on est en bas de l'immeuble, tous les deux, et je vais pour rentrer dans l'immeuble. Et là, on s'est fortement disputé et la colère monte. Et là, je me dis... C'était jamais arrivé. Il y avait même jamais eu ne serait-ce qu'une gifle, une bousculade, rien. Des petites remarques, mais des petites remarques comme il y a dans tous les couples. « Oh, j'aime pas trop quand tu mets ces chaussures là, je te préfère coiffer comme ça. » Rien de... dans le fond, rien de méchant, mais qui était déjà les premiers éléments qui auraient dû me mettre l'alerte et qui certainement faisaient que j'avais ce malaise et ce mal-être que je comprenais pas, mais qui était tout à fait explicable. Et donc ce soir-là, bah, j'ai grimpé ces fameux 3 étages de mon immeuble par les cheveux. Et là, il ouvre la porte et il me jette dans l'entrée. Et là, je me relève et je me dis, oh, ah ouais, non, là, j'ai intérêt à faire très, très attention à ce que je vais dire, parce que je sentais que ça allait basculer. Et là, je me dirige dans la cuisine. Je commence à réfléchir, enfin, à revisualiser ce qui vient de se passer. Et puis d'un coup, on se dit, ouais, bon, c'est vrai, j'ai un peu crié, j'aurais pas dû, c'est ridicule, je minimise. Il rentre dans la cuisine, j'avais préparé le repas avant qu'on se dispute, que j'ai laissé brûler. Et là, il me caresse la joue et il me dit « Tu vois, ça va pas ce que tu fais. » Et là, je commence à entrer dans une explication qui, avec le recul, je me dis « Mais... » Je dis « Oui, je sais, j'aurais pas dû m'emporter, j'aurais pas dû m'énerver, je suis désolée, excuse-moi, mais comprends-moi. » Et je me justifie à sa place. J'ai oublié, moi, que j'ai volé dans l'entrée, que j'ai monté les escaliers avec mes cheveux. J'ai complètement oublié. Moi, je me dis « J'essaie juste de comprendre. » Et là, il me regarde et il me fait « Pas du tout. Tu as laissé brûler le repas, ça ne va pas. » Et là, je suis complètement hébétée. Je me dis « Mais il n'est pas sérieux. » Et d'un coup, il re-rentre dans la cuisine, il bondit sur moi et il m'étrangle. Je décolle du sol, il me plaque contre le sèche-linge et il m'étrangle. Et toutes ces scènes de violence que j'ai vécues, c'est comme les gens qui ont vécu des morts imminentes. Je les vois de l'extérieur. Et donc, je me vois vraiment décoller du sol, ses mains autour de mon cou, et moi, essayer de respirer ou de sortir un son, et me rendre compte que je ne pouvais plus sortir un son, et que donc, il était réellement en train de m'étrangler, et pas juste en train de me saisir. Et d'un seul coup, le trou noir. Je me réveille, je ne sais absolument pas combien de temps après, allongée par terre dans la cuisine en suffoquant. Et là, je lève les yeux et je vois face à moi un homme qui me regarde avec des larmes dans les yeux, en s'excusant, en me disant qu'il est désolé, qu'il m'aime, qu'il voulait pas faire ça, qu'il comprend pas ce qui s'est passé, que il faut que je l'excuse, enfin que c'est... Pardon, pardon. Et là, je me lève et je me dis, bon, ça suffit, là, stop. Je réussis à m'échapper grâce à un appel d'un de ses amis, où je m'évade. Et là, je me rends compte que la porte d'entrée de l'appartement est fermée à clé. On parle toujours de cette première fois ? Oui. Et donc, je réalise que quand même, entre les moments où il m'a violenté, vraiment d'une force... Il a fermé la porte à clé. Il a eu l'idée d'aller fermer les verrous. Et j'ai le temps, je ne sais pas, vraiment avec le recul, je ne sais même pas comment j'ai réussi, à ouvrir le verrou. J'ouvre la porte et je me souviens sortir de l'appartement et sentir mes cheveux tirer en arrière et une poignée de cheveux s'arracher de mon crâne. Et je pars en courant dans l'escalier. Et arrivé en bas de l'immeuble, j'ouvre la porte de l'immeuble, et là, il y a un homme qui me prend dans les bras, qui se prend une droite, parce que je suis comme un chat sauvage,
et qui me dit calmez-vous, calmez-vous, je vous ai entendu, j'ai appelé des collègues. Je ne sais pas qui est cet homme. Si un jour il m'entend, bah merci, parce que sans lui ce soir-là, je ne sais pas ce qui serait passé. Et la police arrive. La police arrive, me demande si je veux porter plainte, je dis non. Pourquoi vous dites non à ce moment-là ? Parce que je me suis dit, au moment où il m'a étranglée, il m'a dit de toute manière je vais te tuer, tu vas enfin la fermer ta putain de gueule et tu vas arrêter de me pourrir la vie. Donc je me dis, il est capable de me tuer. Puisque je me suis réveillée, j'étais par terre. Il y a eu un moment d'inconscience. Donc, il est capable de me faire du mal. Donc, je suis en danger. Donc, si je porte plainte, il va me tuer. Si je porte plainte, il va me tuer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, le lendemain, bah, cette fameuse lune de miel. C'est-à-dire ? La fameuse lune de miel, c'est le mea culpa, le pardon, la totale. Il promet qu'il recommencera pas. Mais vous le revoyez pourquoi ? Il revient vers vous ? Oui. J'arrive le matin au travail... Il est là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi t'es venu ? Je lui dis, mais non, mais c'est bon, j'ai pas envie de te parler, laisse-moi tranquille, toi et moi, c'est terminé. Et là, ils fondent en larmes. Il me dit, je suis désolée, excuse-moi. Promis, je recommencerai plus. Je lui dis, écoute, c'est bon. Je dis, je connais le truc par cœur, les mecs violents, promis, vous recommencez plus, vous recommencez toujours. Je lui dis, laisse tomber, laisse-moi tranquille. Et puis, à force d'acharnement et de... Et de harcèlement, parce qu'on peut appeler ça du harcèlement, de SMS, d'appels téléphoniques. Moi, je suis au travail. Et à un moment donné, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et je lui réponds, ouais, OK, si tu veux, on se voit ce soir, mais pas longtemps. Et donc, on se voit le soir et je tombe dans le panneau. Avec le recul, je m'auto-persuade que la personne que j'ai en face de moi est celle que j'ai envie qu'il soit. On oublie complètement que non, la personne qui est en face de soi, elle est comme elle est. Et quoi qu'il arrive, elle restera comme elle est. Donc, il vous fait un numéro de charme. Ouais. Il s'excuse. Ouais, il se présente lui comme une victime. Exactement. Et vous restez. Et je reste. Et c'est dans le panneau. Et c'est le début de l'enfer. Et c'est le début de l'enfer. Touchée, troublée, Carole revient. Elle ne sait pas encore que ce geste généreux lui sera fatal. Son voyage au bout de l'enfer commence ce jour-là. Qu'est-ce qui va se passer pendant les années qui suivent ? Bah après cette scène de violence, il y a une période d'accalmie et puis ça recommence. Mais ça va recommencer dans la violence psychologique. Par exemple ? Mais franchement, quand on est comme t'es, on s'habille pas comme ça, tu ressembles à rien, t'as les seins qui tombent, tu pues. Du dénigrement ? Ouais. Mais vous réagissez comment, vous, à ce moment-là ? J'essaie de rester convaincue que c'est pas vrai. Et à chaque fois, j'y vais. Bam, bam, bam. Et en fait, en pensant le contrecarré... Le stopper, je ne fais qu'alimenter sa perversion, parce que lui, c'est jouissif au possible. Je réagis, je continue à réagir, je continue à alimenter. Et en plus, imbécile que je suis, je continue à lui donner des indications sur ma vie. C'est-à-dire sur ce qui me touche. Quand vous vous confiez, il s'en sert ? Bien sûr. Je lui avais confié, par exemple, que le fait d'être rousse, pour moi, c'était un très grand... Un complexe d'adolescence ? Ouais, c'était un très gros complexe, mais il l'a utilisé à fond, mais insidieusement. Là, on parle du dénigrement, de la manipulation, du harcèlement psychologique. Est-ce qu'il y a d'autres violences qui vont arriver ? Il y a eu d'autres violences. Alors après, c'est terrible parce que je vais les hiérarchiser, on va dire. Il y a la violence, d'un coup, je suis sur le canapé, on ne sait pas pourquoi, bim, je me prends la télécommande dans le visage, gratuitement. Ou d'un coup, il m'attrape par les cheveux, il me tire la tête en arrière et il me dit « tu vas fermer ta gueule parce que juste je suis pas d'accord avec lui et que j'ai pas intérêt à crier parce que si je crie, là c'est le point qui rentre en ligne de compte, mais toujours dans la tête, jamais ailleurs. » Mais c'est important ça veut dire qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Parce que c'est sous les cheveux. Ouais. Tout bien, j'avais deux possibilités quand on se disputait. Ou je finissais quasi à poil sur le palier. Parce qu'il vous arrachait vos vêtements ? Non. 23h30, je suis dans mon lit, hop, il a décidé, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, que là, aujourd'hui, il y avait un truc qui n'était pas passé. Il me sortait du lit, et puis bah, si j'étais en tenue de nuit, bah, c'était pas grave, il ouvrait la porte, et hop, bim, j'allais sur le palier. Et s'il ne me mettait pas dehors, lui partait en m'enfermant à clé dans l'appartement, en ayant pris soin de prendre toujours ma carte bancaire, d'avoir retiré les piles du téléphone fixe, et de prendre mon téléphone portable. Comme ça, il était sûr et certain, comme j'habitais au troisième étage et que j'allais certainement pas sauter par la fenêtre, il était sûr et certain que je pouvais pas appeler au secours. Et puis après, oui, il y a eu d'autres choses. Violence sexuelle ? Oui. Oui. Aujourd'hui, on parle de viol dans les relations conjugales. Oui. Il s'agissait de ça ? Oui, et moi, j'avais pas compris qu'on appelait ça comme ça. Je l'ai compris après.
Ouais, j'ai des souvenirs de lui me plaquer contre le mur dans la cuisine, me baisser mon pantalon. Et je lui dis, mais putain, mais c'est pas possible, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. Et il me pénétrait et je me débattais et il me chuchotait à l'oreille, ah oui, vas-y, débat-toi, ça m'excite. Donc là, je faisais la poupée de chiffon en me disant, bon, bah, peut-être que si je fais poupée de chiffon, machin, et pas du tout. La femme que je vois en face de moi, qui a du caractère, ouais. Qui se bat, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous ne partez pas? Il y a la peur. C'est complètement paradoxal parce que j'ai peur de mourir, alors que je risque ma vie en étant avec lui tous les jours. En fait, c'est l'inconnu qui fait peur. C'est-à-dire que quand on quitte ce type de personne, on ne sait pas ce qui nous attend. Alors que quand on est dans la relation, quelque part, on sait, on connaît le mécanisme. Moi, je savais, en fonction de comment il était assis sur le canapé, de comment même il était incliné, je passais aux toilettes, je verrais le verrou du haut fermé de la porte d'entrée, je disais, ah, ce soir, j'en prends une. Et on sait, on vit avec cette angoisse permanente en se disant, bon, et ce soir, ça va se passer comment? Ah, bah tiens, ça se passe bien. Et puis c'est comme ça pendant 2 soirs, 3 soirs, 1 mois, 2 mois. Et puis d'un coup, bam, ça repart. Donc il y a toutes ces... C'est le chaud-froid tout le temps. Et c'est pas forcément un acte d'une extrême violence, ça peut être une gifle. Mais on se dit, bon, c'est qu'une gifle. Par rapport à ce qu'il m'a fait, ça va. Je m'en sors pas si mal. On reste parce qu'on a peur, on reste parce qu'on a honte. On a honte de quoi? D'accepter. D'accepter l'inacceptable. Parce que moi, j'étais tout à fait consciente que c'était absolument pas normal ce que j'étais en train de vivre. J'avais vécu 15 ans avec un homme qui m'aimait, qui me respectait, enfin, une relation saine, quoi. Et là, je me disais, mais tu te rends compte, si tu vas dire ça aux gens, mais ils vont penser quoi de toi? Et c'est terrible, quoi. Vous l'avez dit à qui? Je l'ai dit une fois à un ami. J'étais chez lui et je lui ai dit, tu sais... Il y a je ne sais plus combien de temps, j'avais les côtes cassées. Il me dit oui. Et là, je lui sors de but en blanc et je lui dis, bah, c'est lui qui m'a cassé les côtes. Et là, il me fait, oh, allez, arrête tes conneries. Bon, et puis, et hop, il a enchaîné. Je me souviens de cette scène comme si c'était hier. Et là, je me suis dit, ah ouais, alors si lui... Que vous avez choisi pour en parler. Quand même, mon super pote, ne me croit pas, mais personne ne va me croire. Parce que les gens pensent quoi de lui? Ils le voient comment? Alors c'est très étrange parce que mon entourage ne l'aime pas. Ils me l'ont dit très rapidement. Ils vous disent pourquoi ils l'aiment pas? Ils trouvent qu'il ne me respecte pas, qu'il est sûrement pas fidèle. Mais je me voile la face. Et votre famille par exemple? Ma mère, bon, bah voilà, c'était mon copain. Elle s'en accommodait, on va dire. Même si pour elle, bon, elle comprenait pas bien ce que je faisais avec lui. Mon père, ça a été... ça s'est terminé. Une fois, il était venu en vacances chez mes parents. Mon père, ça s'est terminé en dispute violente avec mon père, où il m'a dit, je n'en veux plus à la maison, je lui interdis de venir. Et effectivement, aujourd'hui, avec le recul, mon père m'a expliqué. Il m'a dit, mais moi, j'avais tout vu chez lui. Sa perversion, son machin. Alors que devant mes parents, il n'avait rien du tout. C'est ça que je veux comprendre. À l'extérieur, est-ce qu'il voulait paraître autre chose ou bien est-ce qu'il sûr. Était le même? Non, non. À l'extérieur, il paraissait autre chose. Quand on sortait, qu'on allait chez des amis, que ce soit les siens ou les miens, oh, il avait une chance inouïe d'être avec une femme comme moi, aussi belle, aussi intelligente, aussi extraordinaire, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'avant de partir, j'avais été briefée sur « tu ne parles pas, tu portes ça, tu t'assiras à tel endroit ». Et de toute manière, les quelques fois où je me retrouvais seule à côté d'un de ses amis, il rappliquait toujours, en prétextant qu'il voulait m'embrasser, etc. Tout ça pour bien écouter que j'étais pas en train, en fait, de le démasquer. Mais est-ce que vous êtes une femme résignée à ce moment-là, ou est-ce que vous êtes une femme qui a envie de partir et qui a peur? Je suis une femme qui a envie de partir et qui a peur. Dans mon esprit, c'est toujours, je vais le quitter, je vais partir, je sais pas quand et je sais pas comment. Mais en tout cas, c'est sûr que ça s'arrêtera un jour. C'est ce qui vous aide à tenir? Ouais. Un jour pourtant, semblable aux autres, Carole sait qu'il est temps de partir. Il y a eu 2 déclics. Il y a eu un déclic où un matin, j'avais fait un selfie. J'avais vu la photo et je m'étais dit « Oh !» C'est-à-dire ? Mais je ne reconnaissais pas la personne sur la photo. C'était pas moi. J'avais le regard dans le vide, j'étais creuse, j'étais triste. J'étais comme une entité sur... j'étais une morte vivante.
Vous êtes en train de mesurer les conséquences. Ouais, je suis en train réellement de mesurer les conséquences. Même si j'en ai conscience, je n'ai pas réalisé l'impact physique qu'elles avaient eu, puisque là-haut, c'est toujours comme ça, ce que je crois à ce moment-là. Et le deuxième déclic ? Et le deuxième déclic, bah, c'est le fameux jour où je suis partie, où il est en train de ranger tous mes papiers. Alors au début, je trouvais ça génial, et en fait, j'ai fini par comprendre que pas du tout, oui. Il range pas du tout mes papiers parce que j'aime pas le faire. Il range mes papiers parce que ça lui permet de savoir exactement ce qu'est ma vie. De contrôler. Mais bien sûr. Et là, il me réclame une somme d'argent. Je lui dis que j'ai plus. Je lui dis, écoute, j'ai des dettes. C'est bon, j'en ai marre, etc. Et là, la table à repasser vole. J'ai le temps de soulever le fer à repasser. Je m'assois au bureau de mon fils qui est pas là. Lui, il est toujours dans l'appartement. Et je pense rester une demi-heure assise à ce bureau. Et quand je vais être partie, je vais me rendre compte que je suis restée 4 heures. Et là, ce jour-là, je fais un bilan. Je me dis, mais en fait, tu restes pourquoi ? C'est quoi la vraie raison ? Tu l'aimes plus, c'est fini, tu peux pas aimer quelqu'un comme ça. Tu restes pour que ton fils soit pas loin de son école, pour qu'il reste avec ses amis, pour ton appartement. Et là, je fais le bilan et je me dis, en fait, je reste que pour des mauvaises raisons. Je reste que pour des raisons matérielles. Un appartement, ça se retrouve. Des meubles, ça se rachète. Je l'ai fait quand j'ai quitté mon ex-mari. Pourquoi tu le referais pas aujourd'hui ? Ça va, t'es capable d'y arriver. Et donc, je suis partie comme j'étais, juste avec mon sac à main. J'avais planqué ma carte bleue là, mes clés dans ma culotte, mon téléphone portable dans mon soutien-gorge, puisqu'il prenait tout à chaque fois. Même quand j'allais partir avec mon sac à main, il arrachait mon sac à main. Et donc là, je me dirige vers la porte d'entrée, je passe devant le salon dans lequel il était, je tourne pas la tête. Et là, je regarde la porte et je vois que le verrou était fermé. Donc je comprends, j'ouvre le verrou, je sors et là, je réalise que je suis sortie, qu'il m'a pas attrapée. Et je sors de l'immeuble et il est toujours pas là. Et là, je m'emploie à marcher le plus naturellement possible en me disant, si jamais il sort, faut que t'aies l'air naturel. Tu vas acheter une baguette, tu vas faire une course, voilà, tu reviens, et 19h30, c'est possible. Et je pars, et je pars, et je pars, et j'arrive dans la rue où était garée ma voiture, et là, je sais qu'à cet instant où je suis, même par la fenêtre, il ne peut plus me voir. Et là, j'ai tapé un sprint, moi qui ne sais pas courir, digne d'un Usain Bolt, où j'avais des ailes. Je volais, je suis montée dans ma voiture, j'ai conduit comme une folle, et là, j'ai poussé un cri de bête sauvage. J'ai hurlé comme si... et je me suis dit à cet instant précis, c'est fini, je ne retournerai plus jamais dans cet appartement. Mais la peur vous quitte aussi à ce moment-là ? Non. La peur, elle m'a quittée il n'y a pas très longtemps. Donc, je voudrais avoir les heures qui suivent ce moment. Je pars, donc je suis dans ma voiture. Et puis d'un seul coup, je dis, oh là là, j'ai pas rappelé mon fils. Mon fils m'avait appelé la veille et je l'avais pas rappelé. Et c'est toujours lui qui répond. Et ce jour-là, ça a été son père qui a répondu. Et là, bah, tout ce que j'ai pas dit pendant cette durée est sorti d'un coup. Et j'ai hurlé, j'étais en larmes, c'était une horreur. Et je lui ai dit, faut que tu m'aides, au secours, je t'en supplie, me laisse pas, m'abandonne pas, il me frappe, j'en peux plus. Mais c'était totalement décousu. Et là, il m'a dit, bah, tu viens à la maison et tu discutes pas. Et donc j'ai atterri dans mon ancien chez-moi, avec mon ex-mari, sa nouvelle compagne et mon fils. Et j'ai vécu là pendant une quinzaine de jours, jusqu'à temps que je retrouve un logement. Quand vous partez sans vos affaires. Est-ce que vous allez retourner chez vous ? Est-ce que vous allez le recroiser ? Alors là, pour le coup, je veux porter plainte. J'ai dit là, stop, faut arrêter. Donc je veux porter plainte et j'arrive au commissariat et on m'explique que c'est pas possible parce que c'est férié, enfin bref. Je suis dans un état de démence totale. Je me vois avec une touffe de cheveux improbable, en larmes, en expliquant au policier que j'étais en danger, que j'allais mourir. Que si je n'y prenais pas ma plainte, il allait me tuer, quoi. Il allait me jeter... sur les rails du métro, etc. Et puis qu'en plus, j'ai que ça sur moi. J'ai pas pris de vêtements et que demain, je travaille, que j'ai au moins besoin d'une culotte, quoi. Et là, l'officier de police me sort le plus naturellement du monde. Ah, mais vous voulez qu'on vous escorte ? Donc, il faut savoir que les officiers de police sont tout à fait capables de vous escorter à votre domicile quand vous êtes dans une situation de danger. Donc là, vous demandez de l'aide et on vous propose une protection. Ouais. Donc j'arrive chez moi, j'allais dire chez lui. Je rentre dans l'immeuble et là, à cet instant précis, je monte 3 marches et je dis non, il est là. Un truc comme un instinct animal. Je sais qu'il est là, je le sens, je ne sais pas pourquoi. J'ouvre la porte d'entrée, tout est éteint dans l'appartement.
Et là, l'officier de police me dit, bah, vous voyez, il n'y a personne. Je dis, si, attendez, vous allez voir. Le meilleur reste à venir. Et on rentre dans l'appartement. Et là, tapis dans le noir, juste éclairé par l'écran de son ordinateur, il était assis. Et j'ai souvenir de son regard et de son sourire machiavélique quand il m'a vu rentrer dans l'appartement. Et j'ai souvenir de son hurlement quand il a vu les officiers de police entrer dans l'appartement. Et là, il s'est mis à hurler. « Chérie, je t'aime, mais j'étais inquiet, mais j'étais mort d'inquiétude. » Il faut savoir que j'ai eu aucun appel ni aucun message entre le moment où je suis partie et l'instant précis où je reviens chez moi. Et là, je suis dans un truc où je suis à la fois déterminée et en même temps, j'ai cette espèce d'angoisse terrible de l'entendre et de me dire « Faut pas que tu flanches, faut pas que tu flanches, t'as pas le droit de craquer, quoi. C'est fini maintenant. Tu y vas, tu fonces et tu reviens plus en arrière. Arrête, quoi. Ça suffit. » Et là, je l'entends me dire « Je vais appeler tes parents. » Mais il était dans un état de démence telle, il a réussi à m'avoir. Et là, je me relève et je dis « T'appelles pas mes parents. » Et l'officier de police, donc la femme qui est restée avec moi, me prend par le bras et me dit « Madame, vous laissez pas avoir. C'est bien ce que vous faites. Vous êtes forte. Lâchez pas. Allez-y, continuez. On y est presque. Et on va falloir qu'on parte parce qu'il commence à être sérieusement agité. » Carole respire enfin. Elle a trouvé la force de se libérer. Son gourou, comme elle l'appelle, ne la touchera plus jamais. Dans quel état on est après une expérience comme celle-là ? On est perdu. On n'a plus de repères. On ne sait plus qui on est. On est détruit psychologiquement. On a peur. Le plus difficile dans ce type de relation, c'est de complètement couper les ponts avec cette personnalité-là. C'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire. Et malheureusement, c'est le seul moyen pour vraiment réussir à s'en sortir. Parce que comme il est toujours dans le fait d'inverser les rôles et que vous n'êtes pas la victime, c'est lui la victime. Donc, s'il souffre, c'est à cause de vous. Donc la culpabilité fait son chemin. La culpabilité fait son chemin. En face, vous avez une femme ou un homme, parce qu'il y a des femmes perverses, narcissiques. On ne peut pas accepter de faire souffrir quelqu'un qu'on aime. Donc il y a un moment donné, on se dit, mais c'est terrible, mais oui, je suis une sale personne. Et hop, ça repart. Et beaucoup de femmes y retournent. Même des femmes qui ont quitté ce conjoint, y retournent. Aujourd'hui, vous avez trouvé l'amour. Oui. Et vous avez écrit un livre. Et votre compagnon, vous lui avez demandé de ne pas le lire. Je lui ai demandé de ne pas le lire et il ne souhaite pas le lire non plus. Alors que c'est grâce à lui que je l'ai écrit. C'est tout à fait paradoxal. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il le lise ? On va dire que c'est une double reconstruction. C'est-à-dire qu'on s'est connus, il y a eu cette annonce, et maintenant on se reconstruit ensemble avec cette annonce. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir les détails, d'avoir exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Ce que moi, j'ai ressenti, c'est pas utile. Donc ce livre existe désormais. Mm-hmm. Il est là pour aider, oui, pour que des femmes s'identifient à vous, mm-hmm, et puissent s'en sortir. Et dans quelques instants, vous allez me présenter des proches, oui, qui vont peut-être me dire s'ils avaient vu quelque chose, comment ils ont réagi quand eux ont lu le livre. Oui. Puis vous allez parler de cette reconstruction, et puis comment reconnaître les bourreaux. Mm-hmm. Et puis est-ce qu'il y a des profils de victimes ? On va les recevoir ? Oui. Merci pour la confiance. Merci à vous. Pour moi, ces vies restent des énigmes. Lorsque mes invités comme Carole racontent leur parcours accidenté, ils paraissent s'en sortir facilement. Ils ont l'humilité de ne pas nous dire la profondeur de leur souffrance. Un mystère demeure. Comment s'échappe-t-on du pire ? Nos amis qui viennent, bonjour ! Bonjour ! Enchanté, Frédéric. Enchanté. C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui rencontrer les proches de Carole. Vous êtes les bienvenus ? Merci beaucoup. Vous sentez bien ? Oui, ça va, c'est pour l'instant, ça va. Sympa. Chez vous, c'est très bon. Hein. Voilà, suivez-moi, on passe au salon. Je vous laisse vous installer, Carole, Gaëlle, Olivier, Valérie. Merci. N'hésitez pas à vous servir. Merci. Alors, je viens de rencontrer Carole, que vous connaissez bien. On s'est parlé comme ça, les yeux dans les yeux, en tête à tête. Et j'ai découvert donc cette histoire, une histoire personnelle qui est évidemment universelle. Elle a fait le choix de la raconter publiquement pour aider les autres. Et donc, dans ce livre, « Si seulement, violence conjugale, ma secte », elle dit tout.
elle dit comment, qui on est quand on rencontre quelqu'un comme ça, et finalement comment on peut se laisser endormir au début, comment il y a des actes violents mais on est dans le déni, on ne se rend pas compte que c'est grave, comment on peut basculer dans une sorte de manipulation où on se sent responsable. Et je me pose plusieurs questions. Je me dis, ceux qui étaient là avant, est-ce qu'ils avaient vu quelque chose ? Ceux qui l'ont rencontré après, est-ce qu'elle vous en a parlé tout de suite ? Et surtout, quelle était votre réaction en lisant ce livre ? Alors dites-moi qui est qui. Donc Valérie. Valérie, on s'est rencontrés lors du salon du livre à Paris. Et ça a été une rencontre en fait très drôle. C'est-à-dire que sur le salon, il y a un espace dédié à des interviews d'auteurs. Donc j'étais en train d'attendre pour passer. Et il y a un monsieur qui se penche et d'une extrême bienveillance regarde Valérie et lui dit « C'est votre fille ?» Et nous, on éclate de rire et je dis « Maman !» comme ça. Et voilà, donc alors c'est vous resté. Ne vous connaissiez pas à ce moment-là. On venait de se rencontrer. Et du coup, ça crée un lien d'amitié. Oui, tout à fait. Ça crée un lien d'amitié. Et du coup, j'ai dit, mais bien sûr, c'est ma fille. Je suis très fière de ma fille. Alors, vous allez me dire tout à l'heure pourquoi vous avez choisi de l'inviter, pourquoi vous vouliez me la présenter. Je vous laisse continuer le tour. Donc ensuite, Olivier. Donc Olivier, c'est une rencontre réseau social. Oui. Voilà. J'appréciais particulièrement les publications et on a été amené à échanger très régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est une rencontre atypique, mais ouais. Quand même. Gaëlle ? Et donc Gaëlle, c'est ma sœur. Donc je la connais depuis 39 ans. Tu es née. Voilà. Alors justement, vous faites partie de la famille. Oui. Et donc, Carole a raconté comment elle était aux prises de ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique. Quelqu'un en tout cas qui peut manipuler une personne, la couper de son entourage, créer de l'isolement, de la culpabilité et de la honte. Alors qu'elle est victime, elle finit par avoir honte. Et alors évidemment, on se demande comment à l'extérieur on vit ça. Est-ce qu'on est au courant et de... Alors bien sûr non. On n'était pas au courant. Je pensais bien que si j'avais su ça avant, j'aurais rué dans les brancards, j'aurais fait quelque chose. Donc évidemment, c'est vrai qu'il l'a beaucoup isolée, ça c'est vrai. Parce que, vous vous rappelez de quoi ? Ben justement, qu'on ne la voyait pas souvent, ça c'est vrai, on la voyait très peu souvent. C'était quoi les prétextes à l'époque ? Il n'y en avait pas quand je lui proposais de venir. Il y avait des prétextes, je ne m'en souviens pas, mais des prétextes de un peu... sans grande importance, mais je peux pas venir parce que si, parce que ça, bon bref. Et à chaque fois, c'était l'occasion de pas venir. Les deux seules fois où ils sont venus à la maison, je n'ai rien pu voir. C'est-à-dire quel genre d'homme, de votre point de vue à l'époque ? Alors, mon point de vue à l'époque, c'était quelqu'un de plutôt joyeux, jovial, très sympathique, très à l'aise. Hein, pas du tout de. Pas non plus, comme on dit souvent sur les pervers narcissiques, attention, c'est moi le chef, c'est moi le plus beau. Non, pas trop. Normal, juste ce qu'il faut. Et j'avoue que je ne pouvais pas du tout imaginer ça. Mon mari, pareil, il a été complètement berné, il l'a trouvé très sympathique. Mes grandes filles aussi. Enfin, il était complètement intégré à la famille. J'étais. Voilà. Et je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, votre fils, est-ce qu'il assistait à des scènes de violence ? Parce que vous l'aviez une semaine sur deux. Non, justement, c'est là où était vraiment le côté machiavélique, mais quelque part, tant mieux pour le coup. Mmh. C'est-à-dire que la violence réellement physique n'arrivait que les semaines où je n'avais pas mon fils. La violence psychologique était là tout le temps. Et par contre, la semaine où j'avais mon fils, il faisait tout pour que je me mette dans des colères extrêmes et que je finisse par sortir de mes gonds et que je crie. Et il me regardait, il me disait, tu vois la mère que t'es pour ton fils ? Je te félicite pas. Voilà ce qu'il a comme image. Donc ça, c'était vraiment impossible à déceler à l'époque. Et dans le comportement de Carole, est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait que vous ne la reconnaissiez pas ? C'est vrai, quand j'y repense, quand je fais attention à cette période-là, je me souviens de Carole assez effacée, très effacée. Quand elle venait à la maison, elle était, elle qui est pourtant joyeuse et qui est toujours prête à rire, elle était plutôt dans son coin, très réservée, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu beaucoup, donc je me disais, bon, elle a peut-être des soucis dans son travail ou entre le coup, peut-être il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Mais à des milliards de kilomètres de m'imaginer une chose pareille, ça c'est certain. Et vous, Carole, quand vous alliez comme ça, donc rarement, on l'a compris, mais en famille, avec des amis, vous ressentiez quoi ? Parce qu'on a vu qu'il vous faisait des menaces en disant si tu parles, etc. Donc il y avait la peur en vous. Ouais. Mais vous donniez le change. Qu'est-ce qui était important pour vous dans ces moments-là ? Que ça ne transparaisse pas, que je sois pas démasquée. C'est horrible, parce que ça aurait dû être lui qui aurait dû être démasqué. Et d'ailleurs, je me souviens de la première fois quand on est venu chez vous,
Et le retour que j'ai eu, pour moi, était... Je me suis dit, mais c'est pas possible, il voit rien, personne voit rien, quoi. Mmh. Oh, il est génial, qu'est-ce qu'il est drôle, on l'a beaucoup aimé, c'est un garçon très sympathique. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais ils l'ont même pas vu, quoi. Vous trouvez ça injuste qu'on le trouve formidable, mais vous ne pouviez pas leur dire ce que vous viviez. Non, ouais, c'est ça, c'est complètement... Parce que c'était quoi, la honte ? Le formuler, c'était quelque part admettre que... Vous aviez fait le mauvais choix. Ouais, que j'acceptais l'inacceptable, ce que j'expliquais tout à l'heure, et que quelque part, j'étais plus la personne que j'étais. Voilà, j'étais dans mon esprit. Je dis bien dans mon esprit, parce que c'est pas la réalité. J'étais une pauvre fille, quoi. Alors Gaëlle, vous avez appris les choses avant la sortie du livre ou en lisant le livre ? Alors non, ma sœur m'a appelée un soir en me disant voilà, j'ai quelque chose à te dire, j'ai écrit un livre. Bien, bien ma sœur, très bien. Mais il va être édité, il va sortir. Encore mieux, ma sœur, très bien, mais quel est le sujet ? Et là, tout doucement, oui, progressivement, elle en vient au fait. Et alors là, la douche froide. Je me souviens de ce que tu as dit à ce moment-là, il y avait eu une émission... Oui, sur les femmes battues. Sur les femmes battues. Peu de temps avant. Peu de temps avant, et quelques jours avant, et elle me dit, mais t'es comme ces femmes que j'ai vues dans le reportage. Et moi, je ne l'avais pas vu, le reportage, parce que j'ai eu un moment où je refusais de voir toutes ces émissions-là, où je ne voulais pas. Mais surtout, ce que je t'ai dit, c'est que quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit, mais comment la famille ne peut pas voir une chose pareille ? C'est juste pas possible. Avec mes filles, on en parlait, et on se disait, c'est pas possible, il faut vraiment être mes benets pour ne pas voir une chose pareille. Et là... Bim, la douche froide, et ben ma cocotte, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Donc, alors, beaucoup de tristesse pour ma sœur avant tout, hein, avant de ressentir une culpabilité. Et puis aussi un moment de colère où je me suis dit, mais pourquoi tu m'as rien dit ? Ça, je te l'ai dit, ça. Mais pourquoi tu m'as rien dit ? Mince, sa sœur. On ne peut pas cacher des choses comme ça à une sœur. Vous vous rappelez de ce que vous ressentez quand vous lisez le livre ? Ah oui, alors ça, le livre, pareil, quand il est sorti tout de suite, je l'ai commandé sur le site de l'éditeur, je voulais l'acheter, c'était important pour moi, pas qu'elle me l'offre. Donc je l'ai reçu chez moi, et dès que je l'ai reçu, je l'ai lu. Et je l'ai lu d'une traite. J'ai lu d'une traite, j'ai trouvé ça très fort, j'ai pleuré maintes fois, et je l'ai refermé en ayant pas mal d'émotions, voilà. J'ai reçu un très joli SMS. Oui, je lui ai envoyé un SMS tout de suite après parce que je n'étais pas capable de lui parler. Et la seule chose que je lui ai répondu au lieu de dire merci, c'est « Mais pourquoi tu l'as acheté ? Je voulais te l'offrir. » On parle des choses périphériques. C'était pas ça le problème. Voilà. Donc, tout ouais. Très important. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je dirais que je suis un petit peu parano. Mes filles qui ont un petit copain, je regarde de très près ce qui se passe. Ma cousine, pareil, je viens de la voir, elle vient de me présenter son futur mari. Je regarde de près. Et voilà, donc après on devient paranoïaque forcément, mais... Alors vous allez me dire évidemment le regard que vous portez sur elle aujourd'hui, sur son combat. Mais auparavant, je voulais poser la question aux amis d'après. Olivier, la première fois qu'elle vous parle de ça, c'est avant la sortie du livre ? Non, je crois que le livre est déjà sorti. Et c'est moi qui fais la démarche de lui envoyer un message parce que je regardais un petit peu ce qui se passait au niveau de la libération ou non de Jacqueline Sauvage. Donc cette femme, on le rappelle, cette femme qui a été condamnée à 10 ans de prison parce qu'elle avait tué l'homme qui l'a battue pendant 47 ans. Exactement. Et du coup, je rentre en contact et on discute. Et puis, petit à petit, elle me parle un petit peu de ce qu'elle a vécu elle-même. Et moi, je me dis, mince, mais cette fille qui se bat autant, qui a vécu ça, qui arrive à rester positive. Enfin, je crois que c'est ce qui m'a d'ailleurs le plus impressionné dès le début. Ce courage et cette envie toujours d'avancer. Mmh. Et donc, vous avez lu le livre ? Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Cette violence qui est finalement toujours présente, la violence de cet homme. Mais que tu t'infliges aussi un peu, quelque part, parce que... Et au final, je me disais, mais se lever le matin et pas savoir comment on va trop se coucher le soir, je me disais, enfin voilà. Et vous êtes près des gens qui souffrent de cancer. Vous êtes là pour les aider. Vous êtes quelqu'un qui... Oui, j'aime votre nuance, elle est importante. Vous êtes dans un métier d'aide. Oui, je suis psychologue en cancérologie et en milieu hospitalier. Vous avez été amené à rencontrer des femmes qui ont subi la même chose et vous avez remarqué des constantes dans le mécanisme, dans la relation, et des constantes dans le profil, j'ai envie de dire, de la victime et du bourreau. Alors le bourreau, oui, c'est un pervers narcissique. Alors, c'est quoi la définition d'un pervers narcissique pour un psychologue ? Pervers narcissique, on pourrait dire que c'est un manipulateur. Mais quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid et en permanence flatter, dénigrer. Voilà. Et le but, c'est de déstabiliser suffisamment pour que l'autre soit persuadé que c'est de sa faute.
C'est une manipulation de longue haleine, avec beaucoup de douceur au départ, vraiment à la limite. Il va rentrer dans le désir de l'autre. Des petites attentions et puis une écoute. En fait, les personnes ne se rendent pas compte à ce moment-là qu'il est en train d'investir l'âme de la personne. Donc là, c'est vraiment un début de relation. Oui. Et puis ensuite, il va y avoir le contraire, du dénigrement. Et surtout, ce que moi je remarque, c'est la question de l'isolement. Parce que là, on voyait qu'il y avait quelque chose de prémédité, puisqu'on fermait le verrou, on demandait de ne pas parler à l'extérieur. Donc cette personne va détruire en étant consciente de ce qu'elle fait ? Tout à fait. Et alors, c'est vraiment très stratégique, j'allais dire, parce que l'idée va être d'abord de la déstabiliser, de lui faire croire qu'elle n'est pas si bien que ça, qu'elle pensait bien faire la cuisine, mais bon, au début, il a été gentil, mais que quand même, c'est immangeable, qu'elle devrait même peut-être avoir honte. Enfin bon, des petites phrases comme ça, une fois de temps en temps, entourées de quelque chose de tendre et merveilleux. Sauf que ça n'a rien de merveilleux. Et que derrière est en train de se tisser une sorte de perte de confiance qui va faire que la personne va se mettre à douter d'elle au point qu'elle va se dire « c'est de ma faute ». Alors après, tout va être de ma faute. Et c'est pour ça, je trouve qu'on dit souvent qu'on entend dire « oh, les femmes, quand elles sont battues, maltraitées, elles n'ont qu'à partir ». C'est pas si simple que ça, parce que la manipulation va tellement loin qu'elle finit par se dire que ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Ça. Enfin, si je me trompe pas. Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Ouais. Bah, vous avez une amie psychologue, ça me permet de comprendre le mécanisme. Ouais. Donc, en tant que femme, pour le coup, là, c'était l'experte qui a parlé, en tant que femme, quel regard vous portez, effectivement, sur Carole, sur qui elle est, sur ce qu'elle a traversé et sur la manière qu'elle a de le transformer? Alors, elle est merveilleuse parce qu'elle est... Elle est entière. Et que de cet enfer, elle en fait quelque chose de lumineux. Et franchement, il faut avoir un courage énorme et une volonté tenace pour y parvenir. Donc, chapeau. Carole, dans ce livre, Si seulement, Violence conjugale, ma secte, pour celles qui sont concernées, qu'est-ce qu'elles doivent retenir? Le mécanisme, on l'a compris, mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Comment s'en sortir? Comment se sortir de la relation, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, en partie. Hein. Quitter le conjoint violent, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, parce que justement, comme le disait Valérie, on est vraiment dans ce truc de culpabilité. Il y avait une phrase que j'aimais bien utiliser, c'était de dire qu'il y a une chose que personne ne peut avoir, c'est votre liberté de penser. Donc ce que vous avez dans votre tête, ça, il peut pas le savoir. Donc ça doit vous servir à mettre en place toute votre sortie et à tout organiser. Il faut savoir que c'est des gens extrêmement machiavéliques, donc il ne faut rien laisser traîner, etc. C'est-à-dire que vous ouvrez un nouveau compte bancaire, mais vous ne lui dites pas. Vous vous envoyez tout sur une adresse mail que vous vous êtes créée avec un nouveau mot de passe. C'est un boulot d'investigation quand on quitte ces personnes-là. Moi, j'ai changé tous mes mots de passe. J'ai tout changé parce qu'il avait accès à tout. Et une fois qu'on en part... Alors après, pour moi, c'est plus facile, bon, je minimise toujours, hein. Mais c'est plus facile dans le sens où je n'ai pas d'enfant avec lui. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant avec lui. Et c'est quelque part, quand on me dit « Oh, ma pauvre, t'as avorté deux fois ». Non, 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 c'est pas grave du tout. Moi, j'ai sauvé trois vies. Voilà ce que je dis. J'ai sauvé la vie de deux enfants et la mienne. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que continuer à en parler et à lui donner de l'importance, c'est continuer à lui laisser une place qu'il n'a plus à avoir dans son quotidien. C'est clair. Voilà. Olivier ? Oui. J'admire déjà Carole, je la connais à peine. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, Olivier, voilà, qu'est-ce que cette personne vous apporte ? Moi, tu m'apportes une énergie. Bah, tu connais un peu mes combats de mon côté. Mm-hmm. Tu m'apportes cette énergie positive. Je sais ce que tu as vécu. Je sais pourquoi tu te bats aujourd'hui. Et je sais aussi que tu n'as pas fini. Et moi, ce côté courage, et malgré ce que tu avais vécu, cette facilité à avoir de la bienveillance pour les autres, moi, c'est ça que je retiens de toi. J'ai un peu de mal avec les compliments. Je veux dire deux, trois défauts aussi, si tu ouais, veux. Non, je peux... ça va équilibrer. Non, j'ai du mal. Mais c'est depuis toujours, ça. C'est pas que... Voilà, mais... Ouais, OK, merci. Gaëlle ? Bah, écoutez, moi, je trouve qu'elle apporte un sentiment de liberté. De liberté. Elle s'est libérée de ses chaînes, de son bourreau. Et surtout... Elle s'en est bien sortie, donc ça veut dire, pour donner de l'espoir à toutes celles qui vivent le martyr aujourd'hui, que c'est possible,
Carole, vous acceptez l'idée d'être quelqu'un d'inspirant ? Ouais, c'est pas mal. Alors, merci pour votre confiance, d'avoir raconté votre histoire. Merci de m'avoir présenté des gens qui comptent. Et je voudrais vous présenter à tous maintenant des gens qui comptent pour moi. En fait, ce sont des amis dénicheurs. Ils sont très à l'écoute de la société dans laquelle on vit, très choqués, finalement, des injustices, des inégalités. Et ils passent leur temps à chercher des solutions. Et des solutions qui marchent. Et ils me présentent tout le temps des gens formidables. J'espère que vous allez comprendre pourquoi je les adore. Je vous laisse un petit peu entre vous. Et comme ils préparent à déjeuner, je vais voir où on en est. D'accord ? A tout de suite. A tout de suite. Donc la figue, tu me la coupes en deux, mais pas plus. Hein. Et toi, tu fais ça, mais doucement. Hein, et après, ça va tremper, quoi. Après, on va la... Ça vient d'où, cette petite recette ? Ça, c'est une recette de mes aïeux. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on mange ? On mange une espèce de tagine de poulet un peu oriental avec... De la cannelle, du fenouil, des petits légumes et de la coriandre, des zestes de citron, voilà quoi, c'est un petit truc qui me vient de Turquie. Non, il m'énerve parce qu'il sait que je sais pas cuisiner, lui il fait toujours des trucs incroyables. Oh, non. C'est rien. Mais non, c'est tout petit. Bon, c'est rien. Une petite solde. Ouais, j'avais une petite appréhension, tu vois. Hier soir, d'un seul coup, j'ai fait oh, qu'est-ce que c'est que ça là ? Ah bon, finalement. Mais qu'est-ce que tu viens faire là, petite appréhension ? Veux-tu ? Allez. Donc j'ai fait un petit peu de méditation, tu vois, dans mon lit. Oui. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Je vais vous parler d'une solution pour réduire un tiers de nos déchets, sachant qu'une personne par an en France produit 350 kilos de déchets. Et on peut réduire, ça va être dans le calcul, ça fait plus de 120 kilos, quoi. D'accord, et on peut le faire simplement. Très simplement. Je demande à voir. Nous aussi. Je ne crois que ce que je vois. À tout de suite. Voilà, quoi. En toute simplicité. Il y a quand même 25 ingrédients. En toute simplicité.